to seal the gold medal position for Pepinay and Mion of France. Bah, Gers, c'est un sentimental, hein. Il marche quand même bien à l'affectif. Kev, c'est quelqu'un de très fidèle. On a vraiment besoin de compter les uns sur les autres pour s'entraider. C'est une force, mais on a beaucoup de différences dans notre fonctionnement. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, bah, il va le faire. Ouais, ça, il est combatif, quoi. Tu sais que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il lâchera pas. Quoi, donc, Ben moi, c'est Kevin Péponnet, 30 ans, barre de 4,70, donc un bateau qui se pratique à deux avec Jérémy. Et donc moi, c'est Jérémy, je navigue avec Kep et j'ai 31 ans, ouais, je suis large, 32 bientôt. Bien, top, hein. On est confiant, quoi. Ça se passe. Pas trop de certitude, pas trop sûr de nous. Non, ça se passe bien. On a remporté un championnat important il y a quelques semaines là, donc à quelques semaines des Jeux, c'est de bon augure. Et voilà, on a un titre mondial, un titre européen, et maintenant il en reste celui qu'on a vraiment envie d'aller chercher l'été prochain. Ouais. Enfin, c'est au-delà du titre, c'est vrai qu'il n'y avait pas que des Européens. C'est, genre, on est champion d'Europe, mais il y avait tout le gratin du 470 et tous ceux qui étaient là seront présents aux Jeux Olympiques. Donc c'est plus qu'un titre européen, c'est vraiment la dernière confrontation avant les Jeux. Et du coup, c'est sûr, comme dit Gers, c'est de bon augure. Ça nous met dans une bonne spirale pour attaquer cette dernière ligne droite. Ouais. Ben simplement, le bateau, c'est un 4,70, donc il fait 4,70 m. C'est un bateau basique avec un mât, il y a trois voiles. C'est un petit gros bateau, on va dire. C'est bien pour faire ses classes. Et on est deux à bord, un barreur, un équipier. Vite fait, le barreur, il a la barre, d'où le nom. Il a les boots qui permettent de régler pas mal de choses. Et l'équipier, il gère notamment l'équilibre du bateau et il détermine aussi les trajectoires. Et il a un super beau champ de vision pour voir où est-ce qu'il y a le plus de vent, où est-ce qu'on peut éviter les pièges. Et donc voilà. Et puis on échange pas mal à bord sur qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Et après, le format de course, ben, on ne fait pas des nuits en mer, quoi. On rentre chez nous tous les soirs. Et c'est un peu entre deux eaux, entre des courses qui sont relativement courtes et on peut dire un peu comme de la Formule 1 où ça dure, c'est des manches d'une heure. Et par contre, c'est un championnat qui est long et que moi j'aime bien comparer un peu au Tour de France de cyclisme où on peut être en tête le premier jour et puis il y a des manches, il y a 12 manches dans le championnat, donc le but c'est vraiment d'être en tête à la fin. Donc réaliser une belle journée c'est bien, mais il faut réussir à tenir l'effort sur la durée. Et donc basiquement le principe c'est que quand on termine premier à une manche, on marque un point, deuxième deux points, troisième trois points, et le but à la fin de la régate c'est d'avoir le moins de points possible, quoi. Voilà. Exactement, avec la spécificité aussi donc dans toutes ces régates que la dernière course regroupe seulement les 10 premiers bateaux et compte double. Donc régulièrement les points sont assez serrés pendant le championnat et cette manche-là elle peut être super intense parce qu'il peut y avoir des gros retournements de situation dans le classement. La veille de cette dernière course qui s'appelle la course aux médailles, c'est là où tu détermines la médaille et la couleur, quoi. Donc, c'est sûr qu'à la veille de ce dernier jour, tu cogites, et je pense d'autant plus que c'est le dernier jour des Jeux Olympiques. Ouais. Là, on a un peu terminé la grosse phase développement matériel, entraînement avec du monde et tout, et on va faire une espèce de coupure un peu 4-7 juste pendant quelques jours pour essayer de garder en fraîcheur là-dedans, et on se dit que c'est pas là qu'on va révolutionner notre pratique, et par contre on va s'affûter physiquement, et là on part après-demain en prépa physique à la montagne, quoi. Ouais.
Non, ça fait plaisir, on va voir un peu du pays. Non, il y a des belles choses que nous concocte notre entraîneur. Des randos, des petits cols en vélo, des choses sympas. Mmh. Mais ouais, c'est bien de... On a attaqué notre dernière semaine là et de pouvoir créer le manque pour avoir la niaque avant les Jeux Olympiques, ça c'est une de nos stratégies. Et c'est un truc qu'on affectionne bien depuis ces dernières années, qu'on a mis en place. Et voilà, on ne voit pas, comme dit Gère, c'est pas là qu'on va tout révolutionner. Par contre, créer cette envie supplémentaire pour s'arracher sur le bateau, c'est une manière de la créer aussi, quoi. Là, on va tous avoir le même niveau technique à peu de choses près là-bas, quoi. Et ce qui va jouer, c'est la fraîcheur mentale, c'est l'envie de croquer. Et si tu arrives là-bas épuisé, parce que c'est ce qui va se passer quand même pour une partie des gens qui veulent utiliser chaque minute qui reste pour révolutionner leur pratique. Et du coup, là-dessus, on peut arriver mentalement complètement usé avant même d'avoir mis les pieds au Japon. Et en fait, on dit ça, mais on va quand même naviguer une semaine avant de partir entre nous, histoire de se remettre vraiment le bateau dans les pattes. Et après, une fois au Japon, on arrive quand même là-bas le 12-13 juillet et on va voir. Et notre régate commence le 28, donc on a quand même du temps sur place pour naviguer. Et voilà, et l'idée, c'est vraiment d'arriver là-bas et par contre, là-bas, d'avoir la forme pour enchaîner ce qu'il faut pour faire le taf pendant les Jeux, quoi. Donc c'est à Enoshima, c'est à une heure et demie en transport en commun de Tokyo. C'est super sympa parce que c'est un peu c'est la station balnéaire des Tokyo Heat. Et moi je compare ça un peu à le Hawaï japonais, quoi. C'est un peu à la cool. Il y a des super vagues. On a d'ailleurs amené des surfs dans les containers, mais on va pas pouvoir les utiliser, quoi. Donc contexte oblige, mais du coup c'est vraiment sympa. Voilà, c'est le plan d'eau. Ce plan d'eau là, on le connaît depuis 3-4 ans parce qu'on y entraîne chaque été pour engranger de l'expérience. Et voilà, puis on a une petite vue sur le mont Fuji en arrière-plan quand il fait pas trop gris. Donc c'est vraiment plaisant, quoi. Et on commence à connaître le coin. Après, c'est sûr qu'on peut avoir, on peut rencontrer des conditions atypiques qu'on n'a pas vécues. Mais on est prêt pour un typhon. On est prêt pour tout, on va dire. Un typhon. Ouais, c'est sûr que c'est une fierté. Représenter son pays au jeu, c'est une chance de ouf. Hein. Déjà, c'est super compliqué. La bataille a été rude avec les autres Français. Et voilà, moi perso, c'est mes deuxièmes participations. Donc, c'est pas la même chose, mais c'est toujours une aussi grande fierté. Par contre, je dirais que le mot qui ressort le plus, c'est presque un peu concentré, quoi, en ce moment. Donc voilà, parce que aujourd'hui, perso, j'ai jamais eu autant de billes pour qu'on fasse une performance comme ça au jeu, donc on est vraiment avec des bonnes chances d'y arriver. Et par contre, c'est pas pour ça qu'on va y arriver, donc c'est vraiment à nous d'être de mettre tout en place pour au moins aligner au max les planètes, quoi. C'est sûr qu'il y a des synergies, quoi, et on fait ça pas que pour nous, mais pour son partenaire, pour tout le staff. Et du coup, on est fiers de représenter tout ça. Et c'est sûr que voilà, quand on a le moral dans les chaussettes, on se soutient l'un l'autre. Et puis quand quelque chose de beau se passe à la fin, tu partages d'autant plus. La victoire est d'autant plus belle quand elle est partagée. Donc il y a tout ça qui fait que c'est super. C'est une fierté de le faire à plusieurs plutôt qu'en solitaire. Ouais. On a un peu fait le bilan justement dernièrement des points forts, des adversaires, catégoriser un peu nos adversaires pour un peu anticiper comment ça va fonctionner au jeu. Et c'est clair que les grosses nations, c'est l'Australie, ils sont champions olympiques déjà, vice-champions olympiques à Rio, ils sont plusieurs fois champions du monde, donc ça c'est des gros clients, mais qui sont pas forcément dans les plus en forme en ce moment, mais en tout cas ils seront là. Et on a les Espagnols qui sont bien chauds aussi et qui sont en montée ils sont pleine montée de puissance. Ouais. Et les Suédois, quoi. Ça, c'est trois grosses nations. Après, il y a quand même du monde aussi au balcon derrière, quoi. Ouais, les NoZ, là, ils ont montré des bons trucs.
Néo-Zélandais. C'est des nations fortes, quoi. C'est toujours été des nations fortes de la voile. Mmh. Australie, Nouvelle-Zélande, Espagne, les Anglais aussi. Enfin, voilà, ouais, il y a toujours. On sait que, voilà, on va se partager les trois médailles entre 5-6 bateaux, hors situation exceptionnelle, quoi. Ouais, nous, on s'amuse aussi à faire ça, plus pas via les réseaux, mais on aime bien jouer l'intox sur certaines petites choses, tu vois, si on est un sport immatériel, donc cacher des petits trucs alors qu'il n'y a rien à cacher. Ouais, ça fait cogiter. Ça fait cogiter, ça fait paniquer, ça peut faire paniquer, et puis des fois, t'entends des rumeurs, tu l'aurais même pas imaginé, mais ouais, on a bien joué le coup, là. Mmh. Ça les fait cogiter, en tout cas, ouais. Je pense qu'un des points. La chaleur aussi un peu. Ouais, bon, il y a la chaleur qui va être assez cruciale là-bas parce que enfin, c'est des conditions qu'on rencontre jamais, donc on essaie de s'y habituer en ce moment avec un petit protocole. Et mais bon, je dirais, moi, je trouve qu'un des points primordiaux, ça va être d'être rapide, quoi. Voilà, c'est vraiment le fond de. Pour moi, tu peux pas être champion olympique si t'es pas rapide, quoi. Donc ça va vraiment être la vitesse du bateau qui va être importante. Et ça veut dire être calé sur notre matos, être bon sur nos réglages chaque jour et techniquement faire le taf et physiquement être dessus pour pouvoir donner le meilleur du bateau, quoi. Et être synchronisé entre nous. Du coup, ça passe aussi par une vraie cohésion. Donc vraiment derrière cette vitesse, il y a plein de choses qui en découlent. Et je pense que à la rigueur, presque, s'il y a un truc à retenir, parce que tout le reste, on l'a tellement bossé que voilà, mais ça va être notre cohésion et notre capacité à nous dépasser et à nous donner à fond physiquement pour faire avancer le bateau. Je pense que ça va être primordial, quoi. Après le reste, le mental va être en haut de la pile, surtout sur les jeux, où c'est quand même quelque chose où il y a des gens qui se transforment un peu, quoi. Et voilà, puis cette gestion de la chaleur pour surtout. Pour ne pas partir en surchauffe, quoi, et perdre en lucidité. Ça peut être un peu le risque de là-bas, quoi. Ouais, il y a un point clé qu'on essaie de vachement mettre en avant en ce moment, c'est aussi les départs, quoi. Après, on a réussi à remporter les championnats en ayant pris des mauvais départs. Donc ça, on sait très bien, nos points forts, nous, c'est qu'on lâche jamais rien. Et une des règles en voile, et dans pas mal de sports, et on l'a même vu un peu en Formule 1 ces derniers temps, c'est que tant t'as pas passé la ligne d'arrivée, c'est pas terminé, quoi. Il peut se passer des trucs incroyables, même si t'es loin derrière. Donc ça, c'est sûr. Mais par contre, le départ, c'est quand même un point crucial en voile. Et les statistiques parlent d'elles-mêmes. Si t'es déjà en tête à la première bouée, c'est déjà bien engagé pour la suite de la manche, quoi. Donc on essaie de mettre bien l'accent là-dessus, sur cette dernière ligne droite, pour justement nous mettre encore plus de bagages dans les poches. Et voilà. Ouais, il y a de la bienveillance. C'est clair qu'il y a de la bienveillance. Et on fait le point chaque matin, et c'est sûr que c'est important de savoir déjà de comment on se sent et pas se mentir à soi-même, et puis comment se sent notre coéquipier, et pour essayer de compenser s'il y a moyen de compenser ou de faire avec, mais en tout cas être conscient de qu'on part peut-être avec un peu moins d'armes sur certains aspects, mais que on va pouvoir pallier sur d'autres aspects. Et ouais, voilà, compenser. Et puis on n'est pas qu'à deux là-dedans. On a avec l'entraîneur aussi qui joue une bonne part aussi là-dedans dans ce trinôme, quoi. Et puis on est bien entouré, c'est sûr, par un staff. On est en prépa mental, préparation physique, tout ça. On est au top. Mais tout ça pour pour dire qu'on est. C'est de la bienveillance qu'on a entre nous et du coup ça c'est un peu une boucle vertueuse pour amener de la coordination, de la synchronisation, de la bonne communication. Et nous c'est vrai qu'on a fait qu'un des paramètres pour nous un critère de performance, c'est de la communication, de la bonne communication à bord, parce qu'il y a plein, il y a beaucoup de prises d'informations. Et heureusement qu'on est deux à bord, parce qu'on se dispatche bien les rôles et il faut qu'on communique bien et clairement. Et c'est en ça qu'on arrive à balayer tous les aspects de la régate, quoi, et à pas en laisser un
sur le côté qui va nous faire perdre des places, quoi, par exemple. Donc,